Bonjour à tous, on se retrouve pour ce troisième épisode de Factorio, dans lequel on va continuer notre construction. On avait fait la fois dernière l'usine de fer. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'usine de cuivre. J'essaierai de faire un épisode un peu moins long que la dernière fois. On avait subi pas mal d'attaques. J'ai un peu refait. Je suis repassé à deux lignes, trois, c'était un peu du luxe. Donc on avait mis deux coffres en buffer pour que ça continue à produire et à sortir, que le minerai sorte. Alors, est-ce que les attaques sont repoussées? Ouais, j'ai des dégâts. Vais réparer ça vite fait. L'immune. C'est chiant. Faire un simple passage ici. Hop, hop, mettre des mines un peu partout. Pour l'instant, c'est des petites attaques, donc je peux me permettre de pas mettre trop de cartouches. 17, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, je vais laisser à ça. Hop, et puis on va attaquer. Alors ici, j'ai fait un buffer aussi de charbon. Hop, là-bas il n'y a plus rien qui sort. Je remets pas de charbon, on va bientôt tout virer. Ça, je le vire de mes boîtes. Donc, on va faire la même chose. On va partir. Ah, ça vient du nord. Ça vient de cette base ici, hein. Je vais tout de suite crafter une autre tourelle. On avait fait une petite usine à munitions. J'ai déjà pas mal tapé dedans. Donc ça c'est long, 2 secondes par chargeur. Je pourrais peut-être, ouais, je vais faire ça pour augmenter la vitesse de production. Ah oui. Plus grand chose. Voilà. Et je vais venir mettre une deuxième tourelle dans le minerai. Hop. Bon, ça c'est de l'appoint, mais bon, ça fait toujours ça de prix. Je vais plus remettre de charbon. Prochaine fois que ça s'éteint, je démonte tout. Un plat, je vais mettre ça. Pas ça. Bref. Ça va produire un peu plus vite. Donc voilà, donc là j'ai préparé mes lignes. Ici arriveront les lignes de cuivre, ici les circuits, même si ça sera plus vers la gauche, et l'acier. Ça va être mes lignes principales. Donc, comme je vous ai dit, on va aller faire la même usine. Donc je vais avoir besoin de pas mal de fours. 5, on va faire la même composition, hein. 8, 5, 6, 7, 8. Deux foreuses. Tout de suite passer à 4. J'ai besoin de quoi? Pas mal de tapis. Pas mal de tapis. Souterrain, j'en ai encore. Souterrain, j'en ai encore.
encore des bras. J'en ai besoin de voilà, 10 bras comme ça, 10 bras comme ça. Poteau électrique, c'est bon. Hop, je vais aller voir vite fait ici, remplir mes coffres. Voilà, qui sont vides. Tant que c'est rouge comme ça va, c'est des attaques. Si j'ai le petit signe d'une explosion d'un petit champignon atomique là, c'est que ils m'ont détruit quelque chose. Donc charbon, je vais tout délester, j'en ai plus besoin. Donc bon, ça je vais le démonter. Comment je vais faire ça? Faire une ligne ici, tiens. Un espace. Alors, ça va comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va faire ça. Ok, on a dit les bras longs vont chercher de l'autre côté le minerai et ces bras-là vont venir chercher le charbon. Il va peut-être manquer ici. Plaque de fer. Ça, on a dit qu'on avait plus d'un. Hop.
Les coffres, ça va. Ouais, commence à être au départ il y en a un ou deux là, ça commence à être des belles rangées. Pas vite hein, les mines. Ça, mais je sais pas si ça change grand chose, c'est la vitesse de construction qui est lente. Voilà. Est-ce que ma recherche avance? 9, ouais. Tout doucement, je pense que une fois qu'on aura fini les deux premières usines, on s'attaquera à ça rapidement parce que là, je vais pas super vite. Hop, on va en mettre pas mal. Des engrenages, voilà, et on veut l'électricité. Comme ça, j'aurai tout de suite l'engrenage de fait, plutôt qu'une fois qu'il y en a besoin, que celle-là commence à crafter l'engrenage, je vais gagner un peu de secours. D'avance. Ah oui, c'est parce que j'ai plus rien. Tout, tout, tout. Research. Bon, on va commencer ça, l'acier. Armure 2, c'est pas mal. Donc, pour 10 minutes. Donc, ben, on commence à voir que j'ai plus trop de recherche de base. Je vais devoir rapidement faire les composants de deuxième niveau, donc vert. Donc là voilà, j'ai à nouveau plein de plans. Et on va finir notre usine à à cuivre, je vais y arriver. Hop. Voilà, donc le charbon arrive. On a dit qu'on va faire. Je vais amener l'électricité d'abord. Ouais, je vais l'amener d'ici. Max.
Bah, il me manque mes centrales. Je vais faire une comme ça. Une décalée. On tourne. Voilà. Parfait. Ensuite, donc, je vais me refaire des poteaux électriques, je vais me refaire des tapis, un peu plus de tapis. Ça, j'en ai un, ça ira. Ça arrive à Hop, 28, ça va encore. Je vais réparer celle-là. Un stack. Électricité, on commence à être limite. Je pourrais aller rajouter une turbine en bas. Des munes. Hop, je vais me saturer. Ensuite, je vais essayer de me faire une usine à tapis parce que là, c'est vraiment. Je vais en avoir besoin de la blinde. Ça, pareil, je vais faire temporairement ici en vrac. Qu'est-ce que je voulais faire? Ça. Donc. Je vais refaire. Hop, il va me falloir encore des bras. Par ici, donc. Hop, je viens rentrer ça dans. Une machine d'assemblage qui rentre. Un coffre pour les récupérer qui lui va lui-même dans une machine d'assemblage qui va truc comme ça en décalé. Il y a un coffre ici. Alors ça fait on a dit quoi? Des tapis. Des tapis, il me faut des lecs. Ah, ouais. C'est pas comme ça que j'aurais dû faire. On recommence tout. Machine d'assemblage, pardon.
Il se fait tard. Hein. Hop. Ça va aller. Juste au moment où je veux la démonter. On va le faire plutôt comme ça. Je vais quand même mettre un coffre, machine d'assemblage ici. Hop, comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Ouais, on va dire que c'est temporaire. Ça, en fait, l'idée c'est de sortir une branche et de la monter et de faire ces trucs comme ça en longueur et pas d'occuper une largeur comme ça. Et ça, on a dit que c'était les tapis rouges. Non, simple. Faudra que je refasse cette chaîne-là, de toute façon, pour les tapis roulants, bah, je les ai pas encore. Il y a des tapis roulants un peu plus rapides. Il y a besoin de ces tapis-là, donc je devrais venir piocher là-dedans. Bon, on va laisser tourner ça un peu. Je vais commencer à me refaire une tourelle ou deux. Hop. Je commence à avoir pas mal de zones. Alors, ça c'est fini. Qui est vert pour l'instant, on va pas faire. Voilà. 50 minutes. Bien. Donc, plus de tapis. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai construit ça. Hop, hop. Une attaque. Nos deux lignes de cuivre vont arriver là. Ah, juste sur le bordel. Ok. Là, ça sort pas assez vite. Bon, un bras rapide. Ça produit. On va continuer. Ça. Le cale ici.
Parce qu'ici il nous manque hop, quand même notre Voilà, là j'ai des choses détruites. J'espère que c'est qu'une tourelle qui était détruite. Qu'est-ce que j'avais ici? Ouais, ça a l'air d'être une tourelle. Hop. Même si on essaie de se concentrer sur un truc, on est tout le temps hop, appelé ailleurs. Donc là, mon charbon repart. Ça, on a dit démonter. Hop. Ah, j'ai une attaque. Oh, j'ai une attaque ici là. Ça ici, hop, ah ouais, ah ils m'ont pété deux fours, ça fait chier. Ok, on était là. Hop, hop, ça sort. Hop, tapis. Hop, on mélange. Double ligne. J'ai besoin. Ah, j'ai plus de plaques. Hop, munitions. Je vais en prendre. Tapis roulant. Voilà pourquoi il ne faut pas faire tout sur une même ligne, il faut sortir la ligne
pour pouvoir remélanger derrière. Ok, c'est pas grave pour l'instant. Je vais réparer ça. Mission. C'est bon. C'est les fours qui suivent pas ou c'est le minerai qui suit pas? Faire un truc coffre hop, on va faire ça, pêcher, pas de chance. Ça on va faire des murs. Et on va ça dans un coin. Ah merde. Non. J'ai une étape intermédiaire. Ah oui, il faut que je foute ça dans un plan. Alors, un four. On va faire ça plutôt comme ça alors. Hop. Le charbon qui va là-dedans. Auprès du coup. Ok, four. Hop, on va faire le coffre. Coffre. Coffre, coffre, le truc dedans. Ça, on y va. Donc là, les pierres, les fours. Électricité. Électricité, donc qui fabrique des pierres, mais putain, je suis emmerdé du coup. Voilà. Et les pierres qui vont dans l'assemblage qui va comme ça. Tout ça, on mettra ça au propre. Donc ici je remets mes pierres, je remets mes pierres, je remets mes pierres, je remets mes pierres, c'est plein. Les briques, est-ce qu'elles me servent? Et ça, je crée des murs. Est-ce que j'ai besoin de briques pour autre chose? Je sais plus. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin de coffre à briques. Bon, on va faire ça. Comme ça, on aura une petite réserve de. De murs. Alors, j'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Je ne sais pas où j'en suis. Hop. On va vraiment aller finir cette. Cette usine, et je pense qu'on stoppera là.
Ah oui, j'étais là. Allez. Ouais, putain. Ça aussi, il va falloir l'automatiser parce que c'est long à faire. Faudra une usine à réserve de tapis jaunes, de tapis souterrains jaunes et de répartiteurs jaunes. Voilà, hop. Voilà, ça commence à saturer. Ça avance plus. Ah oui, putain, j'ai plus de cubes qui arrivent assez. Alors, hop, ben, recherche, recherche. Il va falloir rechercher, voilà, traitement. Bah, ça, maintenant, ça demande des fournitures de recherche niveau 2. Mais ça sera intéressant d'avoir les fours en acier. Mais de toute façon, ah bah si, ça prend du, ça prend des briques en pierre. Four en acier et il me faudra de toute façon de l'acier. Hop. Voilà. Hop, les outils, on va les foutre là. Voilà. Donc ici, j'ai mes fours qui suivent pas. Je pense que c'est le minerai qui suit pas. Je vais rajouter 2. La consommation, c'est à peu près bon. Je vais me rajouter quand même deux turbines.
Catastrophe. Quoi, catastrophe. Double catastrophe. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mes fours qui sont pas encore transformés en électrique sont tombés à court. Donc ça a pu approvisionner les chaudières. Donc tout ça s'est tombé en panne. Et pourquoi j'ai plus de tourelle ici? Elle s'est fait démolir dernière attaque. Elle n'a pas été remplacée. Donc charger une partie. Je vais prendre le dernier autosave. Je vais vite fait faire ça. Ah, je suis au pistolet. Suis au pistolet. Ça, hop, je vais le mettre manuellement, ça devrait repartir. Voilà. Hop, façon, ça je l'enlève dans la foulée. Je vais me fabriquer tout de suite une, deux, plus possible. Une tourelle ici, encore une tourelle. Alors, j'étais en train de régler ça. Normalement, autour sera là. Ça là. Suite en mettre une là. Tout ça va gicler bientôt. Je pense au prochain épisode. On pourra commencer. Une vraie zone de laboratoire. Hop, mettre les couilles. On a dit ça, ça peut aller là. À mesure que le charbon va avancer, mes chaudières vont. Si on regarde, on va repartir en puissance. Donc là, je suis largement au-dessus de ce que j'ai besoin. Ok, donc on a dit. Je vais avoir besoin de deux poteaux électriques. Rapidement. Je vais voir ce qui se passe. C'est bon, ça a été géré. C'est quand même pas mal. Je mets du temps à y aller, mais en dézoomant bien, j'arrive à voir mes trois sites comme là. J'ai un problème là-bas. Électricité. J'ai pas. Cartouche, wow. Je vais virer le pistolet, c'est comme ça que je me suis fait avoir tout à l'heure. Donc, on a dit hop, ça je vire. Électricité.
le nombre de temps que je perds, le nombre de... Est-ce que je veux que ça soit bien aligné? Pourquoi? Dire que ça ira comme ça. Donc là, le charbon il va débiter un peu plus vite. Et j'ai mes chaudières qui vont commencer à être remplies. J'ai un peu de charbon d'avance. Voilà. Hop. Et hop. Ça resaturera ma ligne. Donc, ouais, tout ça au prochain épisode, ça giclera. On va faire le plein. Voilà, donc bah, je vais m'arrêter là. Bon, aujourd'hui on aura fait bah, notre ligne de cuivre. Notre ligne de cuivre et puis ben le un peu de défense quand même. Ouais, les attaques, il va falloir vraiment aussi songer à aller attaquer les camps avant qu'ils construisent, qu'ils grossissent trop vite. Mais déjà là, c'est trop tard, je peux plus aller attaquer même avec la mitrailleuse, il va me falloir des armures, des choses comme ça. Je ne sais pas si je peux déjà me construire assez une première armure. Voilà, ce sera déjà ça. Voilà, bah merci de d'avoir suivi cet épisode. Et puis bah, je vous donne comme d'habitude rendez-vous au prochain. On construira, on réorganisera un peu nos lignes de production d'objets annexes. Et puis on fera le laboratoire certainement. Et peut-être commencer à encadrer notre camp avec des murs et d'autres tourelles. Voilà, merci.